l'essence même de ce que j'ai envie de faire à l'Académie Jaroussky, c'est vraiment de partir de la personnalité, de l'humain, de voir comment chaque violoncelliste, chaque musicien se sent et se positionne. Et en fonction de ça, d'essayer de construire petit à petit pour obtenir les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Alors l'Académie, c'est par le biais d'un ami qui est déjà à l'Académie, voilà, qui s'appelle Léo Poincel. Et il m'en a dit beaucoup de bien, voilà, tout ce qu'on pouvait apprendre ici, toutes les opportunités. Voilà, donc j'étais assez séduite par ça. C'est une œuvre très riche, moi je l'adore, je l'ai beaucoup joué cette année. Voilà, elle est un petit peu improbable avec cette longue cadence au début pour le violon seul, mais ouais, j'ai vraiment pris plaisir. Beaucoup sont venus avec du répertoire de musique française et j'en suis ravie parce que c'est aussi un des répertoires qui me tient le plus à cœur. J'ai senti aussi le besoin de chacun de découvrir les étudiants des autres classes. Donc ça veut dire peut-être des duos naîtront de cette académie, peut-être des trios naîtront aussi. En tout cas, il y aura des très beaux moments ensemble à prévoir. Mon rêve, c'est d'avoir plusieurs ensembles de musique de chambre dans lesquels je me sens bien, avec qui je peux faire plein de concerts et aussi jouer dans plein de projets différents, que ce soit pas que non plus les choses qu'on connaisse. J'aime bien les projets un peu spéciaux et tout.